Attention, citoyens, la fiction audio que vous vous apprêtez à écouter a été réalisée par des professionnels. Merci de ne pas reproduire cela sur votre planète et de commencer par l'épisode 1. Hyperdrive et Zone 52 présentent les Chroniques Galactiques. Saison 2, épisode 2. Échange de bons procédés. À ma télé. Vilaine, attrape. Blast, les choses ont vite dérapé. Dérapé? Le mec s'empale tout seul devant ses sbires. Ce qui veut dire que c'est pas de notre faute, Dan. On a les mains propres pour une fois. Et t'as vu la couleur de la lame? C'est la classe. On vient d'abattre 4 mercenaires, Blast et Derek est mort tué par un sabre laser. Du calme, Anarchada c'est monnaie courante tout ça. Et puis il est insupportable ce mec. C'est le moment le plus cool que j'ai jamais passé avec lui là. Mais il faut bouger d'ici, on est dans la gueule du rancor. Ok, on récupère notre bien, on regarde ce qu'on peut trouver d'autre, et on se... Oh non, 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 c'est pas vrai. On sort par derrière, vite. Mais c'est pas croyable, comment ça peut arriver un truc pareil? Allez tiens, grimpe, on file au vaisseau. Mais il est acquis ce speeder? On s'en fout, attache-toi, on y va. À un endroit de plus où je pourrais plus jamais mettre... Willem, il y a des types en motojet qui nous poursuivent. Alors tiens leur dessus. Et ils nous lâchent pas. Attention, le speeder. Du calme, c'est bon. Blast. Un peu plus le... attention. Ouah, t'as vu? On a failli toucher lui-même. On est carrément passé au travers, Shuta. On va avoir la moitié de la lune aux fesses. Et si t'en descendais un ou deux au lieu de hurler, là? Ah, c'en est trop de chanes, je crois. Donc ils volent pas, tirent dans leur bécane. Touché. Il en reste un, juste derrière nous. Je m'en occupe. Accroche-toi. On freine. Salut. Ouh, c'était du sport, là. Le speeder, il va lâcher. C'est pas grave, on est arrivé. Attention, je me gare. La statue, la statue. Pouh. Ok, ok, pas mal. Tu sais, Dan, le jour où t'admettras que je suis bon, on fera un pas de géant dans notre relation. La chance et la compétence, tu vois, c'est deux choses différentes, hein. Ça reste à voir. Allez, mon vaisseau est par là. Ok, on saute dedans, tu me jettes à mon vaisseau et qu'est-ce que... Baisse-toi, ils sont là. Il y a toute une clique de cinglés armés jusqu'aux dents. Ça va pas doper le tourisme. Ils sont rapides pour les petites frappes. Mais des petites frappes qui bossent pour le plus gros cartel que je connaisse. Ces cuits, ils sont trop nombreux. Est-ce que t'as un plan qui exclut l'idée de foncer tête baissée? J'en ai un avec de la tchatch. Ouais, alors celui-là, je le connais. On va partir sur autre chose. Trovarn est toujours à bord? Ouais. Fais-les décoller, on va repartir avec mon vaisseau. Ok. Trovarn, tu me reçois? On applique le plan K. À ton avis? Allez, on se retrouve là-bas. C'est quoi le plan K? K pour Kashyyyk. Quoi? Pourquoi Kashyyyk? Parce qu'il risque pas de nous suivre sur une planète pleine de Wookiees. Ouais, c'est pas faux, ouais. Blast mon vaisseau! Bah, ils l'auront jamais avec des blasters. Ah, j'aime faire la peinture! Ah bon, parce qu'il a l'air rincé là. Justement, c'est fait exprès! Trop arme, descends ses barbes là, ils abîment la coque! Ah, mais laisse tomber, Willem, on se tire, vite! Ok, je suis garé ici. Attends. Juste une seconde. Allez, dépêche-toi, c'est un miracle qu'on soit pas déjà fait désintégrer. Ouais, mais juste une seconde. Mais t'es pas très en forme, toi, pour un type qui passe son temps à danser avec la mort. À mon âge, je cours plus. Je suis trop près du bord. T'es plus jeune que moi. Ok, le moment de vérité... C'est bon, y a personne. Allez, on y va. J'ai comme une furieuse envie de te hurler dessus, là. T'as déjà hurlé pendant 20 minutes dans le speeder, Dan. Et si tu faisais plutôt hurler les moteurs? Ouais, je vais me contenter de ça pour l'instant. Bien, on approche de Kashyyyk, sortie de l'hyperespace dans 2 minutes. Ouf, tant mieux. Une fois là-bas, on sera tranquille. Et après, moi je veux pas venir ma vie sur Kashyyyk. Et puis en plus, ça grouille d'impériaux. Plus pour longtemps, les Wookiees bossent dur pour les renverser.
Mais moi aussi, je vais vite péter un plomb dans leur cahute, là. Bon, on fait vite, je te dépose et je repars. Quoi ? Comment ça ? Bah, je vais pas repartir dans un tchouta d'enfer avec toi, Willem, hein, c'est hors de question. C'est peut-être ton moteur dans la vie, mais pour moi, c'est fini tout ça. Écoute, pour être franc, je pense carrément à me retirer des affaires, là. Quand on bossait ensemble il y a 10 ans, tu parlais déjà de te retirer des affaires. Eh bah, justement, là, j'en ai ma claque. C'est déjà un miracle que je sois toujours vivant. Je raccroche. Ok, ok, je comprends, Dan. Merci. J'en appelle donc à ma dette de vie. C'est cool que tu me... Quoi ? Je te demande de m'aider à régler cette histoire en paiement de ta dette. Mais tu te fous de moi, là ? Crois-moi, j'aimerais faire autrement. Mais les traditions sont faites pour être respectées. Espèce d'ingrat que j'aurais dû laisser crever chez les Hutt. C'est pas vrai ! Bon, ok. Mais je le fais uniquement parce que t'es venu me sauver. Pas pour cette pauvre dette débile. C'est toute la culture Wookiee que t'es en train d'insulter. Mais ok. Il faut qu'on refourgue le sabre aux rebelles. C'est la première priorité. On s'occupera de l'histoire avec Derek plus tard. Aux rebelles ? Mais ils sont fauchés, Dan. Jamais ils paieront pour ça. Mais on s'en fout ! On l'a depuis moins de 12 heures et il a déjà failli nous faire tuer. On va trouver autre chose. Ça vaut une fortune, ce truc. Éteins ça, tu vas nous tuer tous les deux. Pff, la confiance règne. C'est assez léger, en fait. C'est une arme ancestrale. Il paraît que c'est redoutable quand on sait s'en servir. Par contre, j'avais jamais entendu parler de cette couleur. Ouais, enfin bon. Tant que tu dégaines ce truc, je t'ai tiré 3 fois dessus avec mon blaster. Hein. Mais je reconnais que c'est la classe. J'espère que ça va bien se passer, parce que on n'a pas assez de carburant pour repartir. On se débrouillera sur place, les Wookiees m'aiment bien. Ils te connaissent si mal que ça. On a descendu l'avant-dernier mof ensemble, c'était sympa. ouais, j'imagine, ouais. Je mets le sable dans la cache. Ouais, ça me paraît plus prudent. R4 est toujours en vrac là-dedans ? Ouais, je l'ai pas encore réparé. Tu sais qu'il aurait été bien utile, là ? Ouais, ça dépend pour qui. Un droïde de sécurité reprogrammé en vrac dans la cale, si c'est pas malheureux. Et j'imagine que t'as pas non plus ton mini blaster surpuissant là. Non, trop dangereux ce truc, il est dans le coffre. Pfff, ce qu'il faut pas entendre. Ok, on sort de l'hyperespace. C'est quoi ça ? Chuta, c'est l'Empire ! Y'a toute une flotte, c'est quoi ce délire ? Je sais pas. Ok, je prends la console, vas-y, fonce ! Bah, fonce où ? Tu veux que j'aille où ? Fonce sur la planète, y'a une ouverture là, près du croiseur. Une ouverture ? Ça ? Mais c'est pas vrai ! Bouclier à fond, canon prêt, y'a 2 croiseurs et 23 chasseurs taille sur la trajectoire. Ok, j'ai déjà fait ça, en simulation, et y'avait pas de croiseur. Je coupe les communications, on a 10 secondes max avant qu'ils nous descendent. Mets toute l'énergie dans les moteurs ! Même la gravité ! Tu mets tout, on y va ! Ouah ! Attention ! C'est bon, je suis meilleur ! Tout droit, ça va passer ! Ah ! Ça va passer ! Place, ça passe pas ! Ah bah si, on est passé ! Mets tout dans les boucliers arrière ! C'est fait ! Tiens, suis ces coordonnées. Ah, je descends, on les suivra une fois dans l'atmosphère. Chasseur taille à ma mort ! Ah, espèce de sale ! Percute-le ! Quoi ? Mais t'es malade ! Il a pas de bouclier, vas-y ! Lâche ça ! Et voilà, réglé ! Tu ne touches plus ! Jamais mes commandes quand je pilote ! Eh, on l'a descendu le taille ou pas ? Ah, peu importe ! Avec ton coup de génie, on a perdu 90% des boucliers ! 87%! Tiens, on arrive, descends. J'espère qu'on va vite trouver Trovarm. La situation est plus chaude que jamais. On va dans son village, t'en fais pas. Tu pourras pas te sentir plus en sécurité qu'entouré de Wookiees. Mon pote. Pff, laisse tomber. Quand je te raconterai, t'en croiras pas tes oreilles. C'est quoi toute cette flotte là-haut, là ? T'es pas sérieux ? Qu'est-ce qui se passe ? Un blocus. L'Empire vient chercher des esclaves pour les envoyer sur les chantiers navals. Les Wookiees ont attaqué des convois et ça a pas plu. Ah, dur. C'est clair. Bon, Trovarn, à force que tu discutes avec ton chef, hein. Il nous faut du carburant et un moyen de contacter les rebelles. On va leur vendre le sabre. Leur donner le sabre. On va essayer de leur vendre et on verra bien. Ça marche, Trovarn ? Une planète avec que des Wookiees. Un fier peuple. J'adore les Wookiees. Ils se laissent pas marcher sur les pompes, eux. Ouais, enfin, s'ils sont tous comme Trovarn, ça va encore. Tu le connais pas encore assez, toi. Une fois, il m'a crié dessus tellement fort que je me suis évanoui. Tiens, le revoilà. Alors, mon pote, c'est tout bon ? Ah, ok. Tu peux compter sur nous. Quoi ? Tu peux compter sur nous, pourquoi ? Pour filer un coup de main. Ah, un coup de main, pourquoi ? Pour attaquer un convoi impérial et tout raser si l'occasion se présente. Quoi ?
Mais vous avez pété les plombs ou quoi? C'est un échange de bons procédés, Dan. Si on veut du carburant, on va falloir mouiller la chemise. Non mais d'accord, mais un convoi, on n'est pas des mercenaires. C'est la guerre ici, Dan. C'est pas le chic salon feutré de Talon Card. Ça c'est sûr, hein. Bon, ok, mais c'est moi qui fais le plan. Vendu, mais il faudra des lance-roquettes. Pourquoi? C'est un convoi de troupes de choc. Des troupes de choc? Super. Et on a combien de temps pour préparer ça? 4 jours. Ouais, bon, ça va. Ah non, 4 heures. Quoi? Bien, tout le monde a suivi? Une équipe vigoureuse, ça fait plaisir. N'oubliez pas, l'effet de surprise est capital. N'attaquez que quand je vous en donne l'ordre. Allez, à vos postes. C'est où mon poste? Là-haut avec moi. Tiens, on grimpe comment? T'attrapes la liane? Celle-là, là? Ouais, et tu tires d'un coup sec. Comme ça? Ouais. Ça va? Ouais! Puis c'est pas dangereux en plus. Relance la liane! Ah, ça me rappelle mes jeunes années. Ok, d'après ce que je vois, on est pas mal. Les pièges sont prêts, les wikis se mettent en place et le convoi est à l'heure. Que de... Blast! Il y a des TRTT! Combien? 2. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est faisable si on commence par eux. Ok, les lance-roquettes se concentrent dessus en premier. De mieux en mieux, il y a des jet troopers aussi. Là, ça va vraiment se compliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des jetpacks, Willem. C'est tout. Bah, t'en fais pas pour eux, j'en fais mon affaire. Ah, j'aime ces moments de calme qui précèdent les belles batailles. Parce que t'en as fait beaucoup des batailles, toi. Quelques-unes. Ah ouais? Et dans quel camp? Oh, ça dépend des fois. Bon, on y va ou quoi? Patience. Tout le monde n'est pas en place. On joue gros. Si on ne les écrase pas rapidement, on est foutus. Peut-être, mais on dirige une armée Wookie, Dan. C'est pas trop top. 25 Wookies, pour moi, tu vois, c'est pas une armée. Et reste concentré. Attention, à tous, tenez-vous prêts. Blast, je sais pas où j'ai mis le sabre. Attention. Ah, le voilà. On y va, go, go, go. Il s'attendait pas à ça. Activez les pièges. Les Jet Troopers nous ont repérés. En coup de temps. Trovarne, pose la charge sur les Juggernauts. Le truc avec les grosses roues. Ils sont là. Wow, ça commence à chauffer. Attention, Villeneuve, derrière toi. Hey. Qu'on abat le plus à gagner. Oups. Ah. Amateur. Hey, on est là pour se battre, pas pour s'insulter. Fais gaffe, Willem. Sale fils. Tiens, va faire un tour. Willem. Meurs, salopard de rebelle. Je suis pas un rebelle. Chuta, c'est pas passé loin. Willem, ça va? Ouais, ça va, j'arrive. Attends, va aider les Wookies. Eh, je croyais qu'on regardait de loin en donnant des ordres. Il faut se faire le char, sinon on est foutu. Le char? Mais je suis à pied là, j'ai pas de bombardier, hein. Utilise le sabre pour neutraliser le canon. Ok, j'y vais. C'est moi qui fais le plan, Willem, ce sera moins risqué. Par contre, toi, tu partiras à pied pour combattre tes chars, hein. T'en es où de la charge? Super. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il peut pas la poser tant qu'il y a le char. Ok, fais vite, on va perdre l'avantage. Tu sais que je m'épanouis en t'obéissant. Ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie. Voilà, je crois que c'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, c'est bon, Dan. Je peux revenir ou tu veux que j'aille tuer l'empereur tant que j'y suis? Ah, Willem, il y a un type qui fonce sur toi. Il a un sabre laser aussi. Quoi? Où ça? Ah ouais, je le vois. Chuta, il est rapide. Je crois que c'est un inquisiteur. Trovin, fais péter les charges, vite. Il en faudra plus pour m'abattre, Jedi. Ça va péter, full camp. Ok. Tout le monde à terre.